Laudetur Jesus Christus, ici Radio Vatican. Bonjour et bienvenue. Nous entrons dans le Triduum pascal avec la célébration de la messe de la scène du Seigneur, cette commémoration du dernier repas que le Christ a pris avec ses apôtres avant le vendredi de la Passion et sa crucifixion que nous vivrons en direct, bien sûr, demain soir, cette commémoration du chemin de croix avec le pape François. Ce sera en direct du Colisée à partir de 21h15. Mais avant cela, ce soir, c'est la messe In Cœna Domini. Jean-Charles Puzolu vous salue, a le plaisir de vous accompagner tout au long de cette célébration un peu particulière. Parce qu'elle a lieu dans un centre carcéral, un centre de détention pour jeunes mineurs. Et c'est la deuxième fois que le pape se rend dans ce centre de détention à Rome, centre de Casal del Marmo, c'est son nom, où eh bien, une cinquantaine de jeunes purgent leur peine de prison pour différents motifs, différents chefs d'inculpation, et pour lesquels le pape marque sa propre sensibilité. Vous savez que François nous a habitués depuis le début de son pontificat à aller à la fois vers les périphéries du monde, mais aussi vers les périphéries existentielles. Et bien voilà, cette prison est une des périphéries existentielles que le pape François aime à rappeler aux fidèles régulièrement et notamment en ce jeudi saint. Deuxième fois donc que le pape se rend dans ce centre carcéral et c'est un peu particulier parce que la première fois c'était en 2013, c'est-à-dire il y a 10 ans, et c'était quelques semaines après son élection puisque le pape avait été élu au mois de mars et au moment de Pâques, donc quelques jours après, il a fait ce choix de se rendre dans une prison pour donner immédiatement un peu le signe de ce que serait l'une des priorités de son pontificat. Depuis, eh bien, François a multiplié ses gestes, a multiplié ses scènes, ses messes de la scène dans des endroits différents, a multiplié aussi, bien évidemment, ses voyages aux périphéries du monde et aux périphéries existentielles. Au cours de cette messe, ce soir, nous allons célébrer l'Eucharistie et nous allons célébrer surtout la commémoration de l'institution de l'Eucharistie à l'occasion de ce dernier repas du Christ avec ses disciples. Et ici à Casal del Marmo, les disciples, ils seront 12, 12 jeunes détenus auxquels le pape François procédera au rite du lavement des pieds ce soir ici à Casal del Marmo, dans la chapelle de ce centre pénitentiaire. À tous ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre de différentes façons. Bien évidemment, sur notre chaîne YouTube Vatican News FR, vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook et bien sûr aussi sur la page d'accueil du site vaticannews.va où vous trouverez en direct cette cérémonie que vous pouvez suivre. Je salue également toutes les radios et les télévisions qui nous font l'amitié comme à l'habitude de s'unir à nous pour cette retransmission. Je vous souhaite eh bien d'abord un bon Triduum pascal qui débute ce soir avec cette célébration. Je vous souhaite aussi de suivre pieusement dans la prière, dans la réflexion aussi, cette cérémonie que le pape François va présider. Vous savez qu'il y a une semaine, François était, il y a 10 jours, le François a été hospitalisé suite à une bronchite qui l'a obligé à rester quelques jours à l'hôpital. On s'était posé quelques questions sur la possibilité ou non qu'il préside les célébrations pascales. Et bien, dès sa sortie de l'hôpital, d'ailleurs, sur un ton assez humoristique, il disait aux gens qui lui demandaient comment ça allait, il dit: « Je suis encore vivant. » Et juste après, eh bien, le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé que le pape célébrerait bien toutes les célébrations pascales, qu'il les préside, donc comme c'était le cas ce matin pour la messe chrismale en direct de la basilique Saint-Pierre, messe chrismale au cours de laquelle ont été, comme chaque année, bénies les huiles, dont le Saint-Crème qui sert eh bien, à l'administration des sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre à partir de maintenant et tout au long de l'année liturgique. Donc voilà qui est fait, mais nous entrons
Véritablement, dans le Triduum Pascal, ce soir, la messe chrismale ne fait pas à proprement parler partie du Triduum Pascal. Ces 3 jours de Pâques commencent véritablement ce soir. Ils vont nous emmener jusqu'au dimanche de Pâques. Nous allons donc vivre ensemble ce calvaire, ces derniers jours de la vie du Christ, avant qu'il ne soit mis en croix, jusqu'à sa résurrection, que nous célébrerons tous ensemble dimanche. Ce sera à partir de 10 h sur la place Saint-Pierre, avec bien sûr la bénédiction du pape François, Urbi et Orbi, bénédiction à la ville et au monde, et puis le message, le traditionnel message de Pâques du Saint-Père, qui sera donné depuis la loge centrale de la basilique Saint-Pierre, comme aujourd'hui d'ailleurs, en mondovision, pour que bien le plus grand nombre de fidèles, où qu'ils soient dans le monde, aient la possibilité de suivre cette célébration. Ici à Casal del Marmo, dans ce centre pénitentiaire, il y a une cinquantaine de jeunes. Alors bien sûr, ils n'étaient pas là il y a 10 ans, lorsque le pape est venu célébrer sa première messe in Cœna Domini, c'est la première messe de son pontificat. Ils avaient écopé de peines plus courtes que 10 ans, et heureusement pour eux, ils sont sortis. C'est à souhaiter qu'ils aient trouvé un chemin et une vie nouvelle, et qu'ils se soient, comme on dit, rangés dans la vie. Les jeunes qui sont là donc ne connaissent pas François, mais les jeunes qui sont là ne sont pas tous catholiques. Il y a dans l'assemblée ce soir, parmi ceux qui ont voulu être présents à cette célébration, il y a à la fois les jeunes détenus, mais aussi, vous l'avez vu, si vous nous suivez à la télévision, il y a les forces de l'ordre, autrement dit la police des prisons, qui est une force de police ici en Italie, la police pénitentiaire. Mais il y a aussi tout le personnel d'encadrement de la prison, les psychologues, les médecins, le personnel d'entretien, etc., qui sont là. Mais il y a parmi ces jeunes une quinzaine de jeunes musulmans qui ont désiré être présents ce soir à cette messe. Vous savez que pour les fidèles de l'islam, on observe ces jours-ci encore le mois de Ramadan, donc le jeûne pour les musulmans, alors que les chrétiens terminent leur période de carême. Et ces jeunes ont tenu à être présents parce que, bon, d'abord ils sont en Italie, et lorsque on est en Italie, on peut difficilement ne pas avoir affaire à l'activité pontificale qui est dans les journaux, qui est à la radio, qui est à la télévision également. Et donc ils ont une image de ce pape qui s'occupe de et qui a une attention particulière pour les marginalisés, pour les personnes les plus défavorisées. Donc quelque part ça les touche. Et c'est parce qu'ils se sentent touchés par les gestes de François qu'ils ont souhaité être présents. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement le responsable de l'aumônerie de la prison de Casal del Marmo qui dit que ces jeunes ont tenu à être présents. Ils voient dans le pape un signe de sa miséricorde, un signe de sa proximité envers ceux qui désirent, après avoir purgé leur peine, et bien trouver le chemin d'une vie nouvelle. Donc, c'est une célébration chrétienne, catholique évidemment, mais à laquelle eh bien, des fidèles de l'islam ont tenu à participer. Des jeunes qui ont moins de 18 ans, puisque je vous le rappelle, c'est un centre pour mineurs. On est à quelques kilomètres du Vatican. Le pape s'est déplacé en voiture pour arriver ici à Casal del Marmo, et en arrivant, bien sûr, il y a quelques instants en sacristie pour se préparer à la célébration liturgique, et puis bien sûr quelques instants pour adresser quelques mots de salutation et pour s'entendre souhaiter également la bienvenue de la part de la direction de la prison et du personnel. Donc nous sommes dans cette période un peu d'attente avant le début de cette célébration où, je vous le rappelle, le pape procédera au lavement des pieds de 12 jeunes détenus. La chapelle du centre pénitentiaire où se déroule cette messe a été décorée. On a vu quelques fleurs, on a vu quelques vases avec des plantes et des fleurs. Et elle est également décorée de vitraux qui nous font revivre la passion du Christ, et notamment cette souffrance avec sur la tête du Seigneur cette couronne d'épines. Les jeunes étaient très impatients d'ailleurs de recevoir la visite du pape. D'après l'aumônier, ils se sont préparés ces derniers jours de façon active.
pour assister et pour se préparer aussi spirituellement à cette célébration, tout au moins pour ceux qui sont de foi catholique. L'assemblée se lève, c'est donc le pape François va faire son entrée dans la chapelle du centre carcéral, accueilli par le chant de la prison, les chanteurs de la prison. Je te cherche depuis l'aurore, nous dit ce chant d'entrée, et je te chercherai de l'aube à l'aude, nous dit encore ce chant, pour accueillir le pape François ici à Casal del Mar. Et j'en profite rapidement pour saluer nos amis de AWTN qui sont avec nous, les radios du sud-ouest de la France et de la Corse, Radio Salve Regina, qui nous font l'amitié de suivre cette célébration, Radio Espérance, C'est les Lumières au Canada, Radio Catholique et TV Catholique Elikia à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous saluons également nos amis libanais de Sancta Maria Network, et toujours au Congo également, Radio Maria qui nous suit, ainsi que nos amis ivoiriens de Ecclesia TV. Bienvenue à tous. Vous êtes en direct de Rome, de la prison de Casal del Marmo, avec Jean-Charles Puzzoli pour vous accompagner pour la retransmission de la messe, de la commémoration de la scène du Seigneur.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, che hai lavato i piedi ai discepoli perché avessero parte con te, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei il pane della vita disceso dal cielo perché viviamo in eterno, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che nel tuo sangue ti sei fatto garante della nuova ed eterna alleanza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Avec ces quelques paroles, le pape François vient de nous introduire dans la cérémonie et nous avons avec lui récité le Kyrie. Nous chantons maintenant avec ces jeunes le Gloria. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, accogli pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena nella quale il Dio qui nous a réunis pour célébrer la Sainte Communion dans laquelle ton Fils unique, avant de se livrer à la mort, a confié à l'Église le sacrifice nouveau et éternel, banquet nuptial de son amour. Accorde-nous de participer à un si grand mystère pour atteindre la plénitude de la charité et de la vie. Seigneur Jésus-Christ, ton Fils qui est Dieu, et vive et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour tous les siècles des siècles. Voilà qui nous donc amène à la liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 8 et 11 à 14, si vous voulez nous suivre en ouvrant soit un missel, soit une Bible. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison.
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, né dans l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. La coupe de bénédiction est communion au sein du Christ, le psaume responsoriel est le psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout ton peuple. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Deuxième lecture, extraite de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit le pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous acclamons l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme je l'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Nous allons maintenant entendre l'homélie du pape François. Attire l'attenzione come Gesù, proprio il giorno prima. La façon dont Jésus a été crucifié, le jour avant même de l'être, il y a une attention qui nous attire. Il lave les pieds. Et les gens avaient l'habitude de se laver les pieds à cette époque, lorsqu'ils se recevaient entre eux. Et qui lavait les pieds de l'autre, prenait des risques parce que c'était l'activité des esclaves. Et nous pouvons imaginer comment les disciples sont restés étonnés lorsqu'ils ont vu Jésus faire ce geste, qui était un geste d'esclave pour leur laver les pieds. Mais ils l'ont compris après. Parce qu'ils comprendraient après que Jésus serait mort comme un esclave pour payer le prix de nos péchés, de tous nos péchés, à nous tous. Si on faisait tous le geste que Jésus a fait, la vie serait belle, on s'aiderait les uns les autres, plutôt que d'écouter les plus malins qui nous enseignent comment arnaquer notre prochain. Jésus, aujourd'hui, avec cette célébration, il nous enseigne la noblesse du cœur. Chacun de nous peut penser, si le pape savait ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai fait, eh bien, Jésus le sait.
Et Jésus, tout en le sachant, lave nos pieds, les pieds de nous tous. Et il n'a jamais peur de nos faiblesses, jamais. Parce que lui, il a payé le prix déjà. Il veut seulement nous accompagner. Il veut nous prendre par la main. Pour que la vie ne soit pas si dure pour nous. Je ferai le même geste de laver les pieds. Mais ce n'est pas une chose, un geste folklorique. On pense tous que c'est un geste qui annonce comment nous devons nous comporter, nous, comment nous devons être, l'un envers l'autre. Dans la société, on voit beaucoup de gens qui profitent des autres, des gens qui sont coincés dans un coin, qui ne parviennent pas à émerger à cause de l'injustice, de l'absence de travail, de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des médicaments, beaucoup de choses compliquées. Et aucun d'entre nous peut dire aucun, personne ne peut dire qu'il est à l'abri de cette situation, parce que tous, nous pouvons tous tomber, chuter. Et Jésus nous accepte dans notre dignité. Écoutez bien cette parole, dignité. Jésus nous accepte dans notre dignité de pécheurs. Et donc moi, aujourd'hui, je ferai la même chose comme commémoration de ce que Jésus nous a enseigné les uns envers les autres. Et la vie est plus belle comme ça lorsque l'on s'entraide les uns les autres. Et c'est comme ça que l'on peut avancer. Au cours du lavement des pieds, j'espère de pouvoir m'en sortir parce que je ne peux pas très bien marcher. Mais vous, pensez, Jésus m'a lavé les pieds. Jésus m'a sauvé. J'ai quelques difficultés maintenant, mais ça passera. Le Seigneur est toujours à côté de vous. Il ne vous abandonnera jamais, jamais. Pensez à tout cela. Voilà une homélie improvisée du pape François, courte sur le sens du lavement des pieds, qui, il l'a bien dit, n'est pas un geste folklorique, mais pensez, a dit le pape, aux 12 jeunes détenus à qui maintenant il va procéder à ce rite. Pensez que c'est le Christ qui vous lave les pieds, le Christ qui vous accepte dans votre dignité de pécheur. Et quelques mots importants adressés à ce public d'un centre carcéral. Apprenez à écouter la voix du juste et pas forcément celle du plus malin, celui qui vous apprendra à vivre, à cohabiter avec votre prochain, à vivre en harmonie avec les autres et non pas celle de celui qui vous apprendra à tout simplement doubler votre prochain ou lui procurer du mal.
Que le Saint-Père procède lui-même à ce rite de lavement des pieds, en ayant averti qu'il espérait pouvoir arriver jusqu'au bout, en plaisantant un petit peu, en mentionnant notamment ses difficultés pour se déplacer. Non seulement le Saint-Père lave le pied des détenus, mais il s'incline pour embrasser les pieds. C'était un geste réservé aux esclaves, disait le pape François dans sa courte homélie. Et en rappelant que ce geste étant réservé aux esclaves, on peut imaginer l'étonnement des apôtres lorsqu'ils ont vu le Christ s'incliner, s'abaisser pour leur laver les pieds. Et il n'y a pas que des garçons d'ailleurs dans ces 12 jeunes, il y a au moins une jeune fille. Il y a plus dans cet échange qu'un lavement des pieds. Il y a d'abord ce geste, ce rite effectué par le pape François. Et puis on le voit que chaque jeune après serre la main du pape et s'incline à son tour pour lui embrasser la main comme le pape vient de le faire sur leurs pieds. Ces jeunes qui garderont d'ailleurs avec eux le souvenir de cette célébration qui les invitera très certainement à réfléchir également sur leur propre avenir, sur leur propre histoire. L'aumônier de la prison de Casal del Marmo, dans un entretien accordé à Vatican News, disait que ces jeunes, à ses yeux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient catholiques ou autres, étaient tous les mêmes. Ils avaient tous besoin d'un regard tout simplement plus profond. Ils n'avaient pas besoin d'être jugés. Pour cela, la justice des hommes, la justice civile avait déjà fait son devoir et son travail. Donc leur peine, ils sont en train de la vivre et de l'exécuter. Mais ils avaient besoin d'un autre regard pour peut-être essayer de trouver une nouvelle espérance pour le reste de leur vie. Un reste de vie qui devrait être assez long, étant donné qu'ils ont tous ici moins de 18 ans et qu'ils sont au début de leur parcours de vie. Un parcours qui a trouvé cet obstacle sur le chemin qui les a amenés ici à Casal del Marmo. Un centre qui n'est pas uniquement une prison, puisque ici, de toute façon, ils peuvent... Enfin oui, c'est une prison évidemment, mais ils peuvent suivre des cours, suivre une formation, suivre en gros un programme de réinsertion ou d'insertion tout simplement, pour ne pas retomber entre les mains de la criminalité lorsqu'ils sortiront d'ici. Vous savez que le monde carcéral est problématique à ce niveau-là, le risque de rechute après la sortie, après une condamnation à une peine de prison est relativement élevé. Et donc c'est un véritable effort que doivent faire les services publics pour éviter précisément que le parcours à obstacles connu jusqu'à présent se répète à leur sortie de prison. Comme je vous le disais, il y avait une fille également au sein de ces 12 jeunes. Il y en avait même plus d'une, auquel également le pape a procédé au lavement des pieds.
Et au-delà de la petite phrase humoristique qu'a dit le pape François en espérant pouvoir arriver jusqu'au bout, ce qui vient d'être fait d'ailleurs, eh bien, il faut aussi saluer l'effort fourni par le Saint-Père pour ce geste. Lui qui a reconnu, a dit il y a quelques instants avoir quelques difficultés à déambuler, à marcher, eh bien, il a fait lui-même et debout ce geste avec les 12 jeunes. Alors certains lui ont embrassé la main, mais sur le chemin du retour, il y en a plusieurs qui l'arrêtent et qui échangent quelques mots avec lui. Le pape qui les écoute et répond. Si vous nous avez rejoints en cours de cérémonie, nous sommes en direct de Rome, de la prison de Casal del Marmo, un centre de détention pour jeunes mineurs. Nous sommes au cours de la messe de la scène du Seigneur. Très chers frères, élevons nos prières vers Jésus qui s'est donné à nous en nous aimant de tout son être. C'est avec ces quelques mots que le Saint-Père nous introduit à la prière universelle. Ascoltaci, oh Signore. Prions ensemble en disant « Écoute-nous, Seigneur ». Accompagne sempre, oh Signore. Accompagne toujours, Seigneur, la Sainte Église et le Pape François dans le service de la charité envers tous les hommes. Donaci ancora, oh Signore. Redonne-nous, Seigneur, des saints prêtres qui renouvellent chaque jour le mystère de l'Eucharistie. Convainc, Seigneur, le cœur des gouvernants de rechercher avec ténacité le vrai bien et la paix. Réconforte, Seigneur, ceux qui vivent dans la douleur, le désespoir ou la solitude. Raggiungi con la tua grazia, oh Signore. Par ta grâce, Seigneur, rejoins nos familles et nos amis et soutiens-les dans l'espérance. Preghiamo. Seigneur Jésus, qui à l'heure de l'agonie a connu la trahison et l'abandon, accorde-nous toujours ta douce compagnie, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Saint-Père qui tient à laisser quelques instants à chacun pour réfléchir, pour méditer sur ce geste, sur cette célébration, sur cette commémoration, avant de se lever et de dire, prions. Père Tout-Puissant, qui dans notre vie terrestre nous nourrit à la scène de ton Fils, accueille-nous comme tes convives au glorieux banquet du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Le Saint-Père qui vient de donner sa bénédiction. La messe est terminée. Allez en paix. Tu as ouvert tes bras pour moi aussi, Seigneur Jésus. De ton cœur comme source, tu as versé en moi la paix. Je cherche encore mon péché, mais il n'y est pas. C'est le premier verset de ce chant, Davanti a questo amore, face à cet amour. À la fin de cette messe, je vous rappelle que le pape François a lavé les pieds de 12 jeunes. 5 d'entre eux étaient majeurs, d'autres mineurs. Il y avait 2 filles également. Ce geste du Christ a été répété par le pape, comme c'est de tradition, le jeudi saint pour renouveler le geste du Christ envers ses apôtres. Et parmi ces jeunes qui viennent de plusieurs pays, il y avait 2 jeunes sintes, un jeune croate, un jeune musulman du Sénégal, un roumain et un jeune d'origine russe, entre autres. Saint Père, j'ai la mission difficile de trouver quelques mots pour vous dire quelques mots et pour vous remercier, mais je ne crois pas être à la hauteur. En cette situation, vous nous avez désarmés par votre immense douceur qui nous révèle et qui nous ramène à l'essentiel. Et donc, je pensais, chercher des mots que je voulais vous dire, mais en fait, là, maintenant, je n'ai que des mots qui sortent du cœur et que je vous adresse au nom de tous. Votre sourire, pour nous, est une caresse très douce, qui nous soutient, qui nous encourage face à toutes les difficultés quotidiennes que nous rencontrons. L'exemple que vous nous donnez, le don que vous nous faites de nous réunir, de nous rassembler dans cette accolade, nous indique la voie quotidienne, celle de marcher tous ensemble, en se tenant par la main, en regardant toujours vers le haut, en pensant au bien, sans distinction, et cherchant au fond de nous-mêmes la force que peut nous donner le regard des autres. Donc, au nom de tous, vraiment, je veux vous remercier pour cette merveilleuse proximité et cet enseignement que vous nous avez donné. On vous remerciera chaque jour de notre vie et nous prierons avec vous pour le bien, pour la paix dans le monde.
Merci Saint-Père. Grazie infinite. Merci infiniment. Quelques mots visiblement dictés par l'émotion de cette dame qui, dont je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur qui elle est. C'est peut-être une des responsables du centre pénitentiaire. Elle avait préparé un texte et puis elle l'a dit au début. Voilà, j'avais cherché des mots, j'avais cherché quelques phrases à dire et puis finalement non. Après ce que l'on vient de vivre, je n'ai que les mots qui sortent du cœur. Et donc des mots de remerciement. Dit avec énormément d'émotion. François, qui l'a écouté attentivement, qui l'a fixé droit dans les yeux et qui, voilà, probablement a été touché lui aussi par ces quelques mots. Saint-Père, qui maintenant a pris place dans son fauteuil roulant pour la fin de cette. Messe dans le silence. Et quand même, les applaudissements, les remerciements de cette assemblée. On a senti un moment d'hésitation. Devons-nous applaudir? Ne devons-nous pas applaudir? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? C'est pas fini? Mais on était, je crois, un peu tous encore ici à Casal del Marmo. On était encore un peu tous sous le coup de l'émotion de ces paroles de remerciement dont vraiment on l'a senti qui venait du cœur de cette dame. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous en direct de la prison de Casal del Marmo pour cette entrée dans le Triduum Pascal. C'est fait, nous nous retrouverons demain la suite des célébrations 17h, la célébration de la Passion présidée par le pape François avec une homélie du cardinal Raniero Cantalamessa à 21h15 en direct du Colisée. Le courage du pape qui après une bronchite se mettra au froid, il fait froid à Rome ces jours-ci, donc voilà, il faut souhaiter que tout se passe bien. Le pape qui sera demain soir au Colisée, chaudement habillé, je l'espère. Samedi soir, dans la basilique Saint-Pierre, 19h30, la veillée pascale, et puis le rendez-vous de ce week-end, c'est la messe du jour de Pâques, dimanche à 10h, bénédiction Urbi et Orbi à midi, message de Pâques du pape, en direct de la loge centrale de la basilique Saint-Pierre. Tout cela est à suivre avec nos amis et radios partenaires en Mondovision. Et bien sûr sur vaticannews.va, site sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations de ces célébrations de Pâques, et pas seulement d'ailleurs. De la part de Jean-Charles Puzzoli, au nom de toute l'équipe du pôle francophone de Radio Vatican, Vatican News, merci d'avoir été avec nous. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et de très belles fêtes de Pâques. Laudetur Jesus Christus.